Bonjour, bonsoir la famille. Est-ce que tout est OK? Ben pour moi ça va aller. Ouais, ça va aller parce que fort souvent je m'exprime davantage ben pour que je sois là et vous apporter un maximum d'informations. Alors, nous saluons tout le monde qui est un peu partout à travers le monde, tout haïtien et qui gagne 100 haïtiens cap coulé dans Venio. Donc profitez pour nous pour passer un très bon moment en notre compagnie et c'est parti pour votre émission. Alors, assassinat Jovenel Moïse. Chaque jour, c'est un maximum d'informations. Et ou même, et qui a regardé, il faut toujours on time pour pas quitter mon bon menti. Eh bien, ça qui nous vaut dans l'affaire concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse, eh bien, c'est que funérailles président a fait le 23 juillet 2021. C'est ça, autorité a annoncé. Mais juste avant ça, il faut que nous disions que. Ça qui est nouveau dans l'enquête là, c'est que la police colombienne indique jeune vendredi an, moun qui a accusé et arrêté dans le cadre enquête sous assassinat président haïtien, Jovenel Moïse, te recevoir l'ordre pour commettre Zaxila trois jours après yon rencontre avec yon certain de Joseph Félix Badio. Le ciel est tombé sur la tête de Monsieur Badio. Les mêmes qui frappaient par yon mezi interdiction de départ, autorité haïtienne yon prend, lise yon ancien employé unité cap bataille contre corruption. Ça yon dit en français, unité de lutte contre la corruption. D'après la police colombienne, c'est Joseph Badio qui ordonnait à retraiter dans l'armée colombienne yon, parmi yon Duberné et Capador ak German Rivera pour assassiner président. T'es chargé. Non Joseph Félix Badio, cité comme un présumé auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse. Joseph Félix Badio, c'est un ancien fonctionnaire ministère justice et qui travaille notamment pour commission cap bataille contre corruption, pas bon côté service général renseignement, d'après mercenaire colombien Duberné Capador ak German Rivera. Monsieur Sao te gen pour mission assassiner président Jovenel Moïse. Déclaration qui sortit en bouche directeur police colombienne général Jorge Luis Vargas dans cadre intervention publique. La police colombienne fait quoi? Enquête la montré que sergent à la retraite dans l'armée colombienne Capador, lui-même qui mourit dans Port-au-Prince participer dans en pile réunion entre moun qui a travaillé pour société CTU Security Service, Axila qui considéré comme chef complot contre président haïtien Emmanuel Sanon, médecin résident américain. Élicité, non moi je vais passer dans cadre d'une réunion avec Joseph Félix Badio, à qui on l'autre moun qui relait Ascar German, Rivera et puis Duberné Capador, yo informé que président pral jeune arrestation d'après Vargas. En plus, groupe ça installé dans un kay tout près résidence présidentielle là. Yo gena meyo plusieurs véhicules et commencé une formation criminelle. Mais c'est trois jours avant, Badio ordonné à Capador et puis Rivera pour yo assassiner président d'après parole qui sortit par bon côté la police colombienne. Et c'est fait. Jovenel Moïse assassiné dans date 7 juillet passé à la Cali dans Pèlerin 5 dans cadre d'une attaque armée. Côté Madame Ni Martine Moïse, lui-même blessé. Et je ne dis pas, nous capable de dire 23 moun jeune arrestation. Parmi eux, 18 anciens militaires colombiens et 5 haïtiens. Puis gagné Mezi Conservatoire qui prend contre 24 agents et chef unité sécurité présidentielle. Là. Gagné l'autre dossier qui vient compliquer enquête là, nous capable de dire. C'est que information qui fait quoi? Dimitri Hera lui-même. Président est balot pour le acheter environ 60 fusils. Et lui-même l'y acheté 260. Chef unité sécurité générale palais national là. Dimitri Hera, c'est un monde tout projecteur braqué sous lui depuis assassinat président république là, Jovenel Moïse Lakali, dans date 7 juillet passé, continue à faire parler de lui. Vendredi 16 juillet, sous antenne Magique 9, ancien magistrat commune Kaela Jean-Gabriel Fortuné fait qu'on est monsieur acheté en pile fusil en plus fusil d'assaut suite à qui on commande chef l'état te bali pour le faire. Comment expliquer
yon moun ki resevwa l'ordre pa bon côté président République là, d'après Gabriel Fortuné, pour capable placer yon commande 60 fusils d'assaut, li même li acheté 260. Or, li remet 60 bay président République là, alors que li connaît 260 entrées dans pays. Comme moun ki concerné en l'occurrence, responsable US GPN nan Dimitri Erard, c'est yon gros autobris. Personne moun pa konnen côté l'autre 200 fusils au passé. Gabriel Fortuné pose tête li question pour lui dire est-ce que c'est pas yon nan fusil sa yo qui t'a touye président? Tête chargée. En tout cas, mes amis, à chaque jour, m'da kapab di, bagay la sensé paraît très 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 compliqué pour Dimitri Erard. Et, gen l'autre nom qui li même auparavant te cité nan affaire si la. Mais chaque jour, on a comme l'impression que la crise politique qui perdure, ça fait blier nos personnalités si là. Non, c'est Claude Joseph. Mais écoutez, étant donné que nous avons embarras politique, bagala un peu corsé, non, mais non, parce que depuis la mort de Jovenel Moïse, situation politique là, li verrouillée. Et qui est-ce qui gagne clé à Namel pour déverrouiller la situation? On ne sait pas encore. Mais d'après j'en ai regardé là, c'est stratégique à fait. Tout à l'heure, on a venu avec une émission politique par rapport à que résolution qui prend environ 75 partis politiques qui mettaient ensemble pour capable choisir Joseph Lambert comme président. Mais écoutez, c'est pas un bagaille qui est unanime dans la société. Parce que moi, j'ai vu des commentaires, des gens qui disent « Ben, ça c'est notre coup d'État. Nous pas capables d'aller en voir ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la proposition ?» La personne qui va être désignée, est-ce que c'est un monde qui a besoin d'aval communauté internationale là? Permets-moi de poser cette question. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu dois gagner un dialogue entre les parties concernées qui ont même gagné opportunité pour capable réunir tout l'autre secteur et pour y aller contourner situation politique là parce que c'est grave. À environ une dizaine de jours et plus après assassinat un président. Nous là, on a fait chantage, on a masturbé politiquement. Ben, c'est grave pour la République. On va écouter Claude Joseph, le même qui dit que enquête concernant l'assassinat Jovenel Moïse, là, enquête là pas abouti quand même. Et c'est soit yo assassiné li, ou bien enquête là abouti. Entendez Claude Joseph. Bon, m'a salué tout le monde la presse qui est venu dans la résidence officielle Premier ministre. Là. Pour venir couvrir la conférence de presse. Donc, nous disons, il faut que nous fassions une petite patience alors, et nous comptons que nous sommes patients assez pour nous sommes capables de gagner et nous sommes capables de nous de poser ensemble, je dis. Et donc, on remercie nous pour la patience. J'aime vous mettre en ligne, je dis. Nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et je vais répondre de GPNH qui là, et ministre Henri Kess, à Claude Ministre si possible, je vais répondre l'un après l'autre. Comme nous connaissons depuis Zaka Sassinaï, qui fait ce président de la République là, dans la date 7 juillet passé, le gouvernement va être deux priorités. D'abord, organiser bon jeu funérailles national pour le président en accord avec Madame Lee et toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, jouer dans le bout pour le président avec la famille, avec la nation. Capable d'une justice. D'abord, pour ça qu'il y a un funérail. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé. Un accord avec la famille présidente pour organisation activité qui est liée à la funérail. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques et dans la mission diplomatique qui est à l'étranger.
C'est une façon pour honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à voir avec l'enquête là, certain que DG PNH là pour faire des ajouts. La police nationale te baille en conférence pour la presse hier matin. Côté de partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, on dit si il y a une évolution, on va voir ça avec le chef de police et côté qui a des ajouts dans la presse. 22 arrestations. 7 mandats d'amener. 10 cas fouillés, 24 maisons conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, le GPNH va nous donner plus de détails dans un petit moment. Père Haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans un moment, je dis nous, on est déterminé pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a fait. Bien pile piste. Il y a tenté bouiller pour pas jouer un bon genre résultat. Mais c'est preuve d'où. Nous sommes bon route pour permettre. Président, jeune justice, l'ennemi en pile, complot à loup, mais nous pas fait là. Nous pas fait là. Assassin, vous comprenez, vous avez fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez, vous avez fini tout le président Jovenel Moïse. Toute l'autre autorité t'a couru. Et puis, vous-même, vous avez bien temps. Temps pour effacer indicieux, indices sur ces crimes-là, et puis nettoyer avant d'échapper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien,